Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Planète Zoo. On s'était laissé avec nos crocodiles marins qui ont leur enclos, donc ça y est, tout va bien. Alors vous m'avez dit que le mâle hippopotame nain était stérile. J'avais regardé un petit peu, oui je pense c'est parce qu'en fait par rapport aux besoins soi-disant, enfin ce que vous m'avez dit, ça peut changer la stérilité, etc. Bon, le but étant de découvrir un peu toutes les espèces, je fais mon maximum pour qu'elles soient bien. Après, je vais pas non plus pour l'instant veiller à leur confort maximum, on va dire. Ils sont plutôt bien dans l'ensemble. Qu'ils nous fassent des bébés ou pas, pour l'instant, c'est pas super gênant. Il est revenu l'autre dans son. Il me l'a reposé l'autre là, l'évader. L'évader. À déplacer-le. Lui, c'était évadé dans la. Il a voulu aller bouffer mes hippopotames. Donc on a un enclos hippo pour ceux qui ne suivent pas la série depuis le départ. Hippo d'Afrique, plutôt joli, hein, ils sont plutôt sympas aussi. Il y a un point de vue normalement sous-marin, donc les gens peuvent les voir par sous l'eau. Et là, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis, bon, c'est toujours sous la pluie, par contre c'est un peu chiant. J'ai commencé la terraformation. On va faire un enclos flamant rose peut-être par là et un enclos loutre par ici. Loutre ou manchot? Ouais. Loutre plutôt, parce que si je veux mettre les flamants roses ici, ou alors on se fait un énorme enclos manchot ici. Et ça ferait bizarre de partir directement de là à du froid polaire. Ah, j'en sais rien, les copains. Parce qu'il y a aussi les phoques. Non, les phoques et tout, on les fera plus loin. On va faire les loutres et les flamants roses ici en fait. Alors j'ai fait un truc, on verra si ce que ça rend à la fin. Hein, je vous montrerai ça à la fin. J'ai commencé la terraformation, c'était assez long pour placer tout ce que je voulais faire. Maintenant, est-ce qu'on peut accélérer le temps et qu'il arrête de pleuvoir? Ça serait cool. Je crois que j'ai même pas besoin de faire ça en vrai en bac à sable. Je crois que je peux faire genre. Si je fais ça, ça fait quoi? Pas grand chose. Je veux qu'il arrête de pleuvoir jusqu'on ait un bon aperçu du truc. Comme ça devrait le faire. Ok, bon. Alors, on fait nos loutres en premier, je pense. Flamants roses, je veux les caler là. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de les caler ici, en fait. Ou flamants roses en premier et puis loutre après. Non, loutre en premier. Loutre en premier, puis flamant rose, on les calera dans le coin ici. Alors, j'ai pas encore réfléchi vraiment comment faire. Déjà, on va adopter des loutres, si possible. Zoo. Animaux. Non, c'est pas ça du tout. Ah, ils vont pas. Bien-être est nul, hein. Pourquoi? Je sais pas. C'est le social qui va pas chez les. Bah ouais, mais j'en avais commandé des. Des comment? Hippopotame, crocodile, nanani, nanana. Il y a de quoi faire. Échange d'animaux. Vas-y. Adopte-moi deux femelles hippo. Envoyé. Tu vas me les mettre en quarantaine. Mais je pense que j'en ai déjà en fait en quarantaine pour le coup. Hippopotame. Hop, hop, hop. Du coup, est-ce que. Comment on sait les animaux en attente? Vous deux là. Oh, elle a une médaille elle en plus. Annuler les déplacements. Pourquoi elle se déplace, elle? Comment on sait ça? Les animaux en attente. Décoche. Non, décoche. Toi. Pourquoi annuler le déplacement? Envoyer dans le zoo. Bah, écoute, on va t'envoyer toi déjà. Et l'autre, on peut pas. Ah, mais elle va aller dans la zone de quarantaine. Déplacement vers habitat. Ok. Bon, écoutez, hein, on verra ça après. Du coup, nos loutres. Nos loutres, nos loutres. Marcher. Hop. Hop. Loutre. Loutre, loutre. Les loutres géantes, elles vont être tellement bien. Tellement bien! Alors, je pense que je vais prendre un. J'imagine déjà deux femelles. Hein.
Alors toi, fertilité, c'est pas mal. Et toi, t'es nul. Donc toi, adopté. Contre de l'argent, d'accord. Envoyé dans le zoo. Donc pour l'instant, pareil, on va les mettre en zone de quarantaine et je vais faire avancer le temps. Je vais faire avancer le temps, histoire de pouvoir, les mettre dans leur enclos. Ça avance là? Allez-y, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors oui, moi le but est de faire des enclos assez sympas aussi et de découvrir les espèces. Hein. Je les ai pas vues, donc je voulais les voir avec vous, surtout. Pour ce qui est de la gestion, pour l'instant l'argent, ça va, ça baisse hein, quand même. Hein. Il faudrait un jour que je regarde les finances. Oui, bah viens manifester là, hein, tout seul. Toute seule comme une débile. Hein. T'as bien raison, Borissa. Donc là, c'est bon, je pense. Il y en a deux qui sont prêts à sortir. Hein. C'est qui? Ah, mais on le sait là, alors, quand on clique sur la zone de quarantaine. Donc, toi, 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 toi. Et toi, déplacé. Et du coup, là, vous allez vous sentir moins seul, les hippos. Ça, c'est cool. Hop. Et on a une loutre qui est prête. Donc, on va la déplacer. Pour voir. Ah, ben non, mais j'ai pas fait l'enclos encore. Attendez, attendez. On va déjà délimiter l'enclos, ça serait pas mal. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi elle a besoin. Ce dont elle a besoin. Hop. Alors. Alors, comment on va se débrouiller? Là, ça sera de l'invisible. Oui, mais on va d'abord faire ça. Non, tu veux pas? Ça te dit pas de. Non. Bon. On va faire comme ça. C'est pas gênant. Pense que là, je mettrai de l'invisible de toute façon. Donc, non. On le fera avant que je mette la flotte, hein, qu'on puisse changer la barrière. Ah, je sais pas si je vais pouvoir ici. Juste, juste, juste. Hein. Ok. L'enclos va être géant. Je viens de m'en rendre compte. Je viens de m'en rendre compte, mais est-ce que c'est grave? Non. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce qu'en plus, là, ça va être sous l'eau, ça. Qu'après, par la suite, on pourrait mettre les manchots à côté, hein, et ensuite partir sur les phoques et tout ça. Hein. On va faire comme ça, les copains, écoutez, hop. Hop. On s'en fout un peu. Ça va être tout de l'invisible, hein, du coup. Ah, est-ce que je vais pouvoir passer par-dessus? Et là, tu me rejoins. Qu'est-ce que tu veux me rejoindre là? De toute façon, je vais mettre tout en invisible dès le départ, en fait. Je vais pas m'embêter à. Voilà, donc ça c'est un enclos. Là il y aura les flamants. Faut qu'on y pense. Faut qu'on y pense. Donc on va mettre. Par contre, ce serait bien que tu t'amuses pas à t'accrocher en dessous. Ah, ça va être chiant. Béton. Lâche-moi. Béton. Hop. Hop, voilà. Ça nous fera deux enclos. Donc, flamand, loutre. Bon, les flamants roses, ils auront pas énorme. Mais ils seront contents. Vous allez voir. En comptant quand même. Alors, oui, ils seront contents. Il faudra juste que je terraforme pour qu'ils soient plus haut. C'est pareil, je suis pas certaine, hein. Est-ce que déjà je peux reposer mon eau? Parce que j'avais essayé, ça marchait bien. Ok. Ça marche. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'eau. Ensuite, on fera le truc des manchots ici. Il faudra penser quand même à séparer avec peut-être. Ah bah si on part sur des manchots, peut-être de la glace. On verra bien. Je sais pas comment faire. Je me lance dans des trucs. Compliqué. Allez, on court, on court, on court.
On court, on court, on court. C'est un marathon, les gars. Hop, voilà. Merci bien. Vous êtes passé. Oh, comment elle est mignonne. J'adore les loutres. Oh, t'es tellement belle. Elle a une tête un peu énervée, mais c'est normal, elle a rien, la pauvre. Ok, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Attends, 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 tu te calmes. Alors déjà, non. Social, bah normal, optimisation normale, je dirais. Alors, il te faudra de l'herbe courte. Mais d'abord, avant quoi que ce soit, copine, on va tenter la flotte. Ok. Ça, je vais y planquer avec soit des rochers, soit des trucs. Hein. Je sais pas si c'était pas plus haut d'ailleurs. Je crois que c'était même comme ça. C'est comme ça, c'était bien plus planqué. Ouais, c'était bon. C'était comme ça. Ça va où? Ok. C'était comme ça. Donc du coup, à partir de là, tu vas me dire un petit peu. Tu vas me dire des choses. Déjà, tu vas me dire que tu peux te barrer certainement partout. Bien sûr. Bien sûr, mais non. Hein. Rêve. Puisque là, de toute façon. Eh ben on verra bien. Mais en tout cas, rêve, tu ne sortiras pas. Et du coup, tu peux aller partout. Ce qui me. Voilà. Alors, herbe courte. Elle en a pas assez. Elle a pas assez de rush. Elle a pas assez de sable. Hop. En rocher. Est-ce qu'on part sur de la mousse? Je pense que oui. Je pense que ça sera le mieux. Ouais, bah c'est parti pour faire le tour. Alors, pour le coup, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et je vais pas m'embêter. Ah, ça a bouché mon trou. À pas sortir de son contexte. On va. Ouais, ça peut le faire en vrai. Hop. J'espère que ça bouchera le truc, quoi. Trop, on mettra des petites plantes et tout. Hein. Pourquoi pas? En fait, normalement, ils sont pas censés y aller, c'est pour les flamants roses, mais flamants roses auxquels il faudra que je remonte un peu ça d'ailleurs. On va essayer de changer un petit peu de rocher quand même. Ce que j'ai fait, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas grave. Même pas à quoi tu ressembles, toi. Non, ça va pas. Faut que je reprenne à zéro. Hop, hop. C'est pour délimiter, hein. Pour me rappeler où faut que je pose les rochers. Ah bah ça va être spécial hein, mais bon j'ai jamais dit que j'étais une pro. Hein. Et à la fin ça rendra peut-être bien. Faut que j'arrête de me gourer de ça là. C'est le bleu. Je... Non alors c'est le vert. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Bon,
Je pense qu'elles vont réussir à monter par-dessus. C'est des loutres. C'est intelligent comme pas possible, ces machins-là. Juste pour voir. Hop. Et où? Je suis sûre que t'es intelligente. Ah non, pas tant que ça. Donc ça marche bien. Il y aura toute là, là, là. Et ensuite, toute la barrière là. J'ai dit quoi? Attendez. Pied. Elle calcule plus du coup, mince. Ça m'aide pas. Mais en fait, ça m'aide pas. Va-t'en, va-t'en. La route, là, je vais l'enlever. Hein. Ouais. Admettons. La route, je la ferai passer comme ça. Si vous voulez faire un point de vue, peut-être, si c'est possible. La cascade, elle va être petite. Hein. Par contre, c'est dommage. Ensuite, il y a là. Tout à fait logique, on dirait. Pareil, on va passer de côté. Non, il n'y a plus de porte. Vous inquiétez pas, paniquez pas, c'est qu'un jeu, hein, regardez. On peut enlever. On peut enlever. On va dupliquer celle-ci. Hop. Dit qu'elle se barre. Je vais pas prendre ce rocher là. Pas du tout nature. Ah, attendez, on pourrait faire un truc sympa. Genre, pas ça du tout. On pourrait faire un truc sympa. Non! Pourquoi ça voulait pas. Sûr qu'il passe, de toute façon, les employés. Sûr qu'il passe quand même, mais bon. Ok. Ça donne. Pas du tout! Mais alors, pas du tout, madame! Contrôle. Pas du tout non plus. Section. Hop, hop. Hop. Pas faire ça. Ah, ça va, ça va. Ce rocher là, il est chiant. Okay. Là, en vrai, il passe pas, mais je vais quand même faire en sorte que ça soit un peu plus logique. Il passe pas parce qu'il y a ce rocher là. Et tu te sauves où là, à part elle se sauve par la cascade. Ah bon? Ah, c'est chiant ça. Bof, c'est pas si chiant que ça. À part la future cascade. Là. Par là. Par là.
Ah bah oui, c'est en dehors du... D'accord. Là, ça barre plus normalement. La petite loutre. Là, c'est bon. On est bon. Ouais, on est bon. Ok. Pour tout ce qui est rocher comme ça, on est bon, en tous les cas. Ça va, hein. Faut penser que ça va être décoré. Alors, pourquoi? Peut-être parce que, tout simplement, la barrière est où? On sait pas. Ça va être chaud de la choper, la barrière. Si, si, je peux choper la porte. On la voit plus. Oh, on la voit plus. Elle est cachée. Elle est cachée, notre barrière. Caché, bah écoutez ce qu'on va faire. On va faire comme on avait fait là. Là, là. Pose ça à l'arrache. Bloque l'accès. Il bloque ses accès à celle-ci, la tricheuse. Parce que si c'est que ça derrière, après c'est de la terraformation, c'est pas mal. Et que ça serait moins moche. On essaie de se barrer. Yes. En fait, c'était juste ça. D'accord, très bien. Bon. Et ben maintenant, on recommence notre bordel. Cela, c'est pas beau, ça, hein? Ok, re les copains. Re. Alors, je me suis amusée à faire un plan de trucs comme ça, histoire de décorer sous le fond des loutres. Donc, on va le choper, hein. Normalement, je peux tout choper comme ça. Hop. Je chope tout. Ouais, ça va, ça va. Ok, donc comment? Non, juste la déplacer. Ok, donc comment on peut placer ça? Oula. Chez les loutres. Est-ce que ça va aller déjà? Ça, c'est un peu bas. C'était histoire de... Ça touche le sol. Histoire que ça décore. Un petit peu, hein, que ça nous fasse des trucs chez les loutres. On va le reprendre. Alors, c'est dans quoi? Nature. Si je fais nature, est-ce que tous mes plans sont là, moi? Je sais jamais où les trouver en vrai. Si j'enlève tout ça. Hop, je ne l'ai pas mis dans des catégories. Et que je tape fond. C'est celui-là. Ok. Alors comme ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas. Hein. Hop. On est où? On est où? On est où? On est dans l'autre, hein, non? C'est dur à voir en fait. Sans... C'est peut-être mieux que je retire l'eau, hein, faire ça. Elle va peut-être nous gêner, mais ça sera peut-être mieux que je retire l'eau. Attendez. On va retirer l'eau, ça serait plus simple. Hop, voilà. Hein, parce que là, je vois pas ce que je fais, sinon. Tant pis, on verra après avec elle si elle nous gêne ou pas. Nature, donc du coup, c'est celui-là. Ah, ça peut être sympa là. J'arrive à le caler. Un petit peu enfoncé, mais pas trop. Comme ça. Va quand même bien décorer le fond parce que ça va être un peu vite sinon. Je suis pas sûre qu'elle aime. J'ai pris les trucs que les loutres aimaient bien, donc. Hop. Hop. Après, on n'est pas obligé de mettre toujours celui-là. Hein. On peut le supprimer aussi de temps en temps. Ça va rendre bien en vrai. Il n'y a pas d'algues et tout, donc je me suis débrouillée pour que ça fasse un peu comme les algues qui montent, vous savez. Hop. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Après, on peut en placer aussi de nous-mêmes. Hein. Oh, c'est quoi ça? Nature.
On va reprendre quand même ce qu'elles aiment bien. Genre, je vais copier celui-là. Cliquer. Les grandes tiges comme ça, là, c'est pas mal. Les grandes tiges. Hop. Ça commence à être pas mal. Après, il faudra mettre un petit peu des arbres aussi en haut. Cela. Hop. Il y a moyen que je prenne ça. Ça. Non! Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pas mal. Dommage qu'ils aient pas pensé à nous mettre des algues, des trucs. À moins que je les ai pas trouvés, hein. Moi, je pense que ça va être plutôt pas mal, hein. Peut-être pas en mettre de trop. On a encore la cascade à faire. Là, je pense que c'est pas mal. Pour le fond de l'eau, peut-être quelques rochers. Ah, ça va en vrai. Des rochers peut-être, mais nature. Non. Elle est où ma vie? Abri solide, elle en a pas. Et terrain... Oui, mais c'est normal, pour l'instant, elle n'a pas d'eau ni rien, c'est pas compté. D'accord. Ok. Je sais. Pourquoi pas? Lâche-moi. On va penser aussi que celui-là vole. On va penser aussi qu'il faut mettre aussi leur optimisation et tout. Hein. Ah, on pourrait faire que là, ça, si je mets ça partout, ça va sortir un peu de l'eau. Avoir des touffes d'algues qui sortent de l'eau. Okay. C'est pas des algues, je sais bien. C'est de l'imagination, les copains. Pour le coup, Planète Zoo, vous n'avez pas trop le choix. Pas de rocher dans... Ah, mais c'est à cause de ça. Là, les gens vont pouvoir les voir en fait. C'est ça le truc que j'ai fait. Je vous ai pas encore montré, mais ils vont pouvoir aller voir un peu sous l'eau. Bon, parce que là, c'est bizarre. Parce que ça pendouille dans le vent. Ça. Ok. Jusque là, ok. Maintenant, cascade. Cascade ici. Cascade ici. Ça n'a pas été évident. Il y a moyen, il y avait un truc...
un nouveau truc qu'ils avaient mis cascade. Alors, je sais pas dans quoi ils l'ont mis, par contre. Je tape cascade. Voilà. Cascade, non. C'est peut-être dans service, construction. Voilà. Chute d'eau. Voir un truc. Je vais voir un truc. Ça me sert de ce truc-là. En cachant après avec des rochers. C'est pour que ça donne l'effet que l'eau coule. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Et on rajoutera nos effets à nous. Est-ce qu'on est plus haut là? Un peu. On cachera. Il n'y a pas moyen que je terraforme ce truc, je crois pas. Mettre un rocher là. Pire, je mettrai un rocher là. Faut que ça fasse un effet eau qui coule. Caché avec d'autres rochers s'il faut. Et moi, je vais rajouter mon effet à moi en fait. Bon. En vrai, ça change pas grand chose. Ça rajoute un peu d'eau ici, mais. Ouais. On va dire que ouais, mais. Pas l'eau s'arrête là. Ouais. En fait, c'est ça. Ouais, pourquoi pas? Ok. Comment il tient celui-là? Je vais mettre un rocher. Rocher mousse. Lâche-moi. Il s'est calé là-dedans, on sait pas comment, mais. Okay. Pourquoi pas? Non. Non. Ça va être l'effet cascade. Très bien. Après, je sais pas jusqu'à où va l'eau. Faudrait que je remette l'eau. Elle est où ma loutre?
Elle est que on va la déplacer, on va la remettre là. Hop, ça suffit. Voilà. Alors, la flotte. Terrain. Je sais plus où était ma bombe. Là. Ok, niveau hauteur, c'est comme ça. Bah, du coup, je peux pas faire mieux que ça. Si, je vais faire mieux que ça, mais je peux pas faire bien mieux que ça, en fait. Mettre des armes, c'est pas beau, ça. Pareil pour les crocs, il faudrait que j'enlève l'eau pour remettre... pour changer la barrière. Du coup... Ça marchait pour les loups? Non, je crois pas. Hein. Là, puis je vais mettre les armes. Que ça soit pas d'un coup, on sait pas pourquoi il y a des rochers. Voilà, c'est quand même mieux. Hein, parce que là, tout vide. Là, pareil, mais là, je voulais mettre peut-être une plateforme pour les gens. Bon! Alors, chute d'eau. Effet spécial. Ça, c'est le bas. Alors, on va mettre en play, mais en doucement, parce que... Ok. Milieu. Oh, ça tombe. Ah, c'est pas bien. Comment? Non. Mal. Là, non. Là, c'est vide. Là, ok. Je vois plus. Bah, non. Je vois pas comment ça coule, là. On comprend pas trop, hein. On comprend pas trop comment ça coule. Après, ça rend déjà bien, vous me direz comme ça, mais en vrai, ça rend déjà bien. Comment tu coules? Pas mal. Rajoute un peu des effets au truc, quoi. En vrai, ça va, ça rend bien ma petite chute d'eau là. Faut juste que j'en foute un peu là. Pas mal. Hop, attendez. Ah, un petit peu ce qu'il y a. Il n'y a pas des trucs rapides ou je sais plus quoi là. Bien, on voit pas trop.
Ah, en fait, ça peut. Ok, mais c'était pas ça que je voulais. Rapide mousse. C'est ça que je voulais. Nickel, non? Ma loutre, elle est partie, je sais pas où, mais c'est pas fini, fini. En plastique. Normalement, ça va dans l'eau, ça. Obstruction. Jet d'eau. Une plateforme. Ça pourrait être cool. Par là, parce que là, si je fais que les gens puissent venir les voir, mettre une petite plateforme ici. Ouais, pas mal. Balle de glace, hop, cadeau. Bonjour, ok, canard en plastique, c'est le même. Ils ont que ça dans les jouets, nos pauvres petites loutres. Ah, un ballon. Un ballon. Perchoir. Non, ils n'ont pas besoin. Balle colorée. On sait jouer les loutres. Ok. Par contre, ça me dérange mes îles. Elles n'ont pas assez d'arbres. Je vais essayer de rester sur ce que veulent les loutres, mais en mettant quelque chose de sympa. Pas tellement ça que je voulais faire. Y a pas des couchages directement, vous savez, comme les autres. Abri, non. Couchage. Hippopotame nain. Oh, mignon, ceux-là, je les aime bien aussi. Lâche-moi. Victor. Victor, il va bien, les gars. Regarde comment il est stérile. Non, progéniture 1, il a déjà eu un bébé. Non, il n'est pas stérile. Ah si. Il a eu un bébé quand même, hein. Bah, écoutez, il m'a eu un bébé, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est l'enclos des hippos nains, les copains. Hein, c'était le premier enclos que j'ai fait, donc voilà. Plutôt simple, on va dire. Ensuite. Oui, bah courez. Vous avez peur de quoi? Donc ensuite, on peut aller par là. Hop. Ils sont effrayés, les gens. C'est un croco qui est en train de leur mordre les pattes. Ok, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Donc ensuite, ils peuvent aller là et les regarder d'en haut. Voir les hippopotames et tout. Je pense qu'il va y avoir des combats d'hippos et de crocos à chaque fois. Parce que là, il y en a un encore. Capturé d'urgence, qui n'a rien à faire là. Ok. Vous allez rester dans des caisses, hein. Si c'est pour embêter mes hippopotames, c'est pas la peine. Normalement, il y avait un truc où on pouvait aller sous l'eau, là, chez les hippos. Oui, j'étais passée par là. D'ailleurs, je vous prendrai peut-être ça pour l'entrée des loutres. Ok. Okay. On va faire ça. Ça, c'est la caméra, normalement, visiteur, non? Je crois, hein. C'est un peu bas, c'est bon. Franchement. Donc là, vous allez chez les hippopotames. Hop. Vous pouvez les regarder de sous l'eau, hein, quand ils y sont. Il n'y en a pas, mais... il n'y en a pas, mais bon. Voilà. Ensuite, bah, on va... Ah si, il y en avait un là. Il est un peu en panique, hein, du coup. Bah ouais, ben, pour le coup, désolé, hein.
Ils sont pas censés être chez vous, ces machins-là. Hein. Donc là, pareil. Non. Donc là. Voilà. Là, pareil. Je trouve que la caméra est galère dans le jeu. Hein. Là, pareil, on va pouvoir aller sous l'eau, mais voir les. Du coup, les crocos qui ne sont plus là, mais qui se sauvent. Qui eux aussi ont un petit peu de décoration dans le fond. Et ensuite, on remonte si possible, si ça veut bien, dans l'autre côté. Hop, on remonte, on va là, là, et là, j'ai pas vu ce que ça donnait. Par contre, à ce niveau-là, j'y suis pas allée. Donc là, pareil, je ferai un truc sympa hein, pour rentrer. On va pouvoir descendre, du coup, hop. Descendre, 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 hop. On peut descendre, là, ici, il y aura les flamants roses. Alors, je pense pas qu'ils iraient sous l'eau, les flamants roses, mais bon, on pourra les voir de là, mais de toute façon, je ferai un truc qu'on les voie d'en dessus. Ils sont contents de voir une vitre. Vous avez l'air con des fois. Et là, du coup, ça va être bah, les loutres. Donc, c'est là une vue sous les loutres. On va pouvoir aussi les voir de là. Et ça rend plutôt bien, en vrai. Bon, les sapins font un peu bizarre, hein, mais c'était le seul truc que j'ai trouvé pour faire des algues, en fait. C'est quoi, c'est que là. C'est chiant. A et E pour monter, je comprends pas trop. Mais... Donc là, on a une vue comme ça des loutres. Sous les loutres. Ici, donc là au milieu, je mettrai peut-être des boutiques. Hein. Ça va être pour les gens. Là, pareil, ils vont pouvoir faire le tour. On voit aussi la cascade de dessous. C'est pas mal. Là, on pourra les voir monter dans leur truc. Et puis les voir nager. On en voit une là-bas. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais on en voit une là-bas qui vont, ils vont pouvoir grimper et tout ça. Pourquoi mes trucs ne font pas de bulles? Normalement, ils sont censés faire des bulles, tout ce qui est ça, là. Ah si, d'accord, mais on les voit pas à travers. Ah, ok. Concept. Drôle d'idée. Ah, ça rend bien aussi avec toutes les bulles partout. Voilà. Hein, je sais pas pourquoi les autres se barrent. Par contre, on va regarder un petit peu nos petits clôtres et puis ça va être bon, les amis. Ça va être bon. Je vais peupler le plus possible cet enclos, en tous les cas, pour que nos loutes soient pas toutes seules. Bah, elles sont plutôt sympathiques et je trouve que l'enclos est plutôt sympa aussi. En tous les cas, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo Planète Zoo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. À rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. C'était Ellie et c'est Loutre. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao!